Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce premier épisode de Histoire d'un héros. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage ténébreux et mystérieux, le Ghost Rider. The day of judgment is upon you, scum. There is but one fate for the guilty. Tiens, petit quiz. À votre avis, combien de Ghost Rider existe-t-il? Un seul? Le seul et unique Johnny Blaze? 2? 3? Peut-être 4? Ou 5 alors? Je vous laisse le temps de remplir ce petit quiz, hein. Voilà, c'est bon. Eh bien, la bonne réponse est 5 Ghost Rider. Johnny Blaze, Robbie Reyes, Daniel Cage, le frère de Johnny, Kenshiro Cochrane, un Ghost Rider futuriste, et le dernier, ou plutôt la dernière, car oui, le Ghost Rider n'est pas uniquement masculin, Alec Randra. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire tragique de Robbie Reyes, le seul Ghost Rider qui n'est pas un esprit de vengeance. Avant de commencer, j'aimerais que vous oubliez tout ce que vous connaissez sur ce personnage, que ce soit des films ou des séries. L'histoire de ces films est une histoire alternative, pas originale. Je vais vous raconter l'histoire originale du héros. C'est parti! Son histoire commence en Californie, plus précisément à Los Angeles. Roberto était un jeune étudiant à l'université, passionné de mécanique. Il travaillait dans un garage pour subvenir à ses besoins, mais surtout pour subvenir aux besoins de son jeune frère paraplégique de naissance. Il vivait dans un quartier infecté de gangs et de voyous. Roberto voulait quitter ce quartier malfamé, mais il n'avait pas assez d'argent pour déménager. Il se mit à participer aux courses sauvages de voitures dans l'espoir de gagner 50 000 $. Dans sa malchance, la voiture qu'il prit comme bolide de course, une Dodge Charger noire de 1969, était hantée. Alors qu'il était dans les premiers de la course, Roberto crut être pris en chasse par la police. Il tenta de leur échapper, mais lors d'un mauvais détour, il se retrouva dans un cul-de-sac. Il sortit de la voiture dans l'espoir de s'expliquer avec les policiers, mais les policiers ouvrirent le feu immédiatement, le criblant de balles. Il mourut instantanément. Les agresseurs mirent alors la main sur les substances inconnues qui avaient été abandonnées dans la voiture, avant de brûler les preuves du meurtre en incendiant le véhicule et le corps de Robbie. Alors que les agresseurs repartaient, le fantôme de la voiture prit possession du corps de Robbie, le transformant en un nouveau Ghost Rider. Il traqua et tua presque tous ses agresseurs. Le lendemain, Robbie se réveilla. Il crut que tous les événements de la veille étaient un cauchemar, avant de remarquer que l'un de ses yeux était devenu orange. Inquiet, il retourna au garage pour voir si la fameuse voiture était encore là, et il la retrouva, intacte, sans aucun impact de balle. Il voulut l'utiliser pour une nouvelle course, mais il se retrouva contre deux gros bras qui travaillaient pour le propriétaire de la voiture. Robbie se transforma en Ghost Rider et les attaqua avant de prendre la fuite à bord de la fameuse voiture. Il s'arrêta dans une casse quand il vit le reflet du Ghost Rider dans les vitres de la voiture. Robbie lui demanda ce qu'il était, une question à laquelle l'esprit répondit que la vraie question était plutôt ce qu'ils étaient. Le fantôme révéla ensuite être l'esprit d'un homme appelé Eli Morrow, qui avait été tué par des membres d'un gang. Il proposa à Robbie une chance de se venger contre ceux qui lui faisaient du tort. Après quelques minutes, Robbie accepta. Plus tard, Robbie attaqua le cartel de la drogue qui lui avait volé la voiture. Il devint un héros pour les gens du quartier. Seulement Robbie ne voulait pas être un héros. Il utilisa ses nouvelles capacités pour gagner de l'argent en faisant des courses de voitures, pour mieux s'occuper de son frère en délaissant l'esprit d'Eli. Cette nouvelle vague de popularité attira l'attention du Johnny Blaze, le premier Ghost Rider de l'époque moderne. Il arriva juste après que Robbie, sous l'influence croissante d'Eli, ne provoque un accident qui causa la mort involontaire d'un concurrent. Eli prit complètement le contrôle et en profita pour aller se venger d'un chef de la pègre. En chemin, il révéla être un oncle éloigné des Reyes et qu'il n'était pas un esprit de vengeance, mais l'esprit d'un tueur en série satanique qui avait assassiné et démembré au moins 37 personnes et qui vivait à l'époque dans la maison occupée à présent par les frères Reyes. Eli expliqua alors qu'il était responsable de la paraplégie du jeune frère.
en ayant poussé leur mère enceinte dans les escaliers, provoquant les blessures à l'origine du handicap. Après que Blaze avait réussi à maîtriser Ellie grâce à son regard de pénitence, il discuta brièvement avec Robbie, l'avertissant de ne jamais laisser Ellie se réveiller. Cependant, Robbie découvrit que Ellie, quand il occupait son corps, avait abandonné Gabe, son frère, seul et affamé, sur le sol de leur maison. Un traumatisme qui provoqua une régression mentale chez l'enfant, devenu apathique et incapable de se contrôler. Plusieurs mois s'écoulèrent, et Ellie Moreau était furieux de la lutte permanente menée par Robbie pour l'empêcher de dominer et de se laisser submerger par la soif de sang de Moreau. L'esprit eut l'idée de trouver un partenaire plus docile, plus facile à manipuler. Un partenaire comme le jeune frère de Robbie. Il prit le contrôle de Gabe et alla tuer le chef de la pègre qui avait tué Ellie Moreau. Robbie réussit à réveiller Gabe qui retrouva ses sentiments qu'il avait envers son grand frère et sa personnalité reprit le dessus. L'esprit d'Ellie retourna dans le corps de Robbie qui vengea la mort du fantôme en tuant Igor Ivanov, l'envoyant en enfer et ce faisant, fusionnant d'une manière définitive avec l'esprit d'Ellie. Robbie conclut un pacte avec Ellie et lui demanda de lui trouver les pires criminels, ceux tels qu'Ellie avait été dans sa vie, pour que le Ghost Rider les tue. Mais en échange, il ne ferait de mal à aucun innocent. Maintenant, on va s'intéresser à ses capacités. Contrairement à Blaze, Cage ou Jones, Robbie Reyes n'est pas un véritable Ghost Rider, car son corps n'est pas habité par un esprit de vengeance. Il est possédé par l'esprit d'un humain sataniste, appelé Ellie Moreau. Du coup, ses besoins sont plus sombres, et ses envies de meurtre plus fortes. En tant que Ghost Rider, Robbie Reyes est capable de produire un feu infernal, semblable aux autres Ghost Riders. Contrairement aux autres, par contre, Robbie est capable de manipuler sa forme physique pour passer d'une ombre vers une autre. Cette téléportation prend cependant un certain temps, et Robbie ne réapparaît pas instantanément. Robbie peut aussi utiliser ses capacités de Ghost Rider sous forme humaine. Force, vitesse, résistance, pouvoir de régénération et endurance, mais en moindre mesure. Côté armement, Reyes utilise une chaîne mystique qui obéit aux intentions inconscientes de son propriétaire. Virtuellement indestructible, d'une longueur infinie, elle est capable de mettre littéralement en pièces les personnes qu'elle attrape dans ses maillons. L'extrémité de la chaîne varie entre un fléau doté de piquants, une lame, ou une barre de fer ou une sorte de tête de marteau. Pour se déplacer, Reyes est le seul Ghost Rider à utiliser une voiture. Une fois transformée, la Dodge Charger devient la Dodge Infernale. Celle-ci est invulnérable aux munitions, capable de se réparer instantanément, de créer son propre feu infernal, de devenir immatériel pour traverser la matière, et est capable de se camoufler pour ressembler aux autres véhicules. Pour ceux qui veulent d'autres informations sur Robbie Reyes ou même sur d'autres personnages, je vous invite à aller voir le site marvel-world.com qui répertorie toutes les histoires de tous les héros de l'histoire de Marvel. J'espère que ce premier épisode de Histoire d'un héros vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des héros que vous voulez que je présente. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.